Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter une photo à votre diaporama en gardant le même modèle que le reste du diaporama. Donc d'abord, il faut cliquer Diapo Montage. Et maintenant, je vais choisir un modèle qu'Isora. Vous pouvez choisir le modèle que vous voulez, mais moi je veux bien utiliser celui-ci. Je vais cliquer Continuer. Et maintenant, vous pouvez sélectionner les photos qui vont apparaître dans votre diaporama. Moi, je vais faire un diaporama pour l'été. Donc, je vais sélectionner toutes mes photos d'été. Maintenant, ça va créer un diaporama avec toutes mes photos. Mais en fait, j'ai oublié de sélectionner quelques photos. Donc, je veux ajouter quelques photos à mon diaporama. Donc, je vais personnaliser ce diaporama. Maintenant, je peux ajouter ces photos et je veux les ajouter à la fin de mon diaporama, en fait. Donc, je vais ajouter cette photo à la fin de mon diaporama en la glissant sur la dernière diapositive. Et maintenant, j'ai le choix de modèles de collage qui ont été utilisés dans ce diaporama. Donc, je peux choisir un collage si je veux ou je peux ajouter la photo comme une photo simple. Cette fois-ci, je vais l'ajouter en collage, en fait. Et donc, je vais sélectionner le collage et je vais cliquer Continuer. Et j'ai un message qui dit qu'en fait, il y a quelques emplacements vides dans mon collage parce que c'est un collage pour 3 photos et je n'ai sélectionné qu'une. Donc, maintenant, je vais ajouter 2 autres photos à ce collage en restant sur ce même onglet. Donc, je vais sélectionner cette photo-ci et je vais glisser ici sur le collage et vous voyez que ça a remplacé un des emplacements vides. Et maintenant, je vais utiliser cette photo-ci et vous voyez que le collage maintenant est rempli. Maintenant, je veux peut-être ajouter une photo au milieu de mon diaporama. Donc, si vous voulez ajouter une photo au milieu de votre diaporama, vous pouvez sélectionner la photo ici, cliquer et vous pouvez l'insérer entre 2 diapositives. Maintenant, encore une fois, vous avez le choix de modèle de collage déjà utilisé dans ce diaporama ou vous pouvez l'ajouter comme une photo simple. Et cette fois, je vais l'ajouter comme une photo simple. Et maintenant, j'ai la photo simple au milieu de mon diaporama. Merci beaucoup et à bientôt.